Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu dans un tank en train de m'amuser à contempler le paysage. Oh, je suis désolé, madame. Là, il y a quelqu'un ici? Arrête, ils étaient juste là. J'ai un tank qui est super intéressant, je vais vous montrer. En fait, il est équipé d'un kit Gnos. Regardez, il a des flammes qui sortent de ce côté-là. Et ça me permet d'augmenter un petit peu ma vitesse. D'accord? C'est vraiment déjà pas du tout désagréable. Attends, parce que je sais pas ce qui se passe d'un coup là. Ils veulent tous m'embêter. Et j'ai la possibilité aussi de faire un petit saut. Vous avez vu, franchement, ils sont cool, hein. Et ça, c'est un tank que j'ai obtenu à la livraison. Donc, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais je vais faire un petit tour quand même par curiosité. Ouais, l'ennemi en vue, ouais, tiens, regarde ce qui te fait l'ennemi. Et en plus, il y a une cadence de feu assez impressionnante. Franchement, c'est plutôt cool. Attends. Voilà, on saute et on s'en va. Allez, c'est parti, je vais voir en fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a des objectifs, à mon avis, qu'on n'a pas encore complètement terminés. Et après, je vais pas vous mentir, c'est qu'on va essayer de se lancer un petit peu sur les quêtes principales. Donc, c'est bon. Le petit saut qui va avec. Ah, franchement, ce jeu-là, ce qui est bien, c'est que dès que tu commences en fait à faire tous les défis en question, principal et secondaire, bah, tu débloques en fait des vrais joujoux en fait pour pouvoir te faire plaisir dans la capture. Par exemple, là, je galère pour monter, je fais un petit saut et je monte. Et après, je mets une petite impulsion. Et vous avez vu la vitesse? C'est pas négligeable en fait d'avoir ça. Ça, c'est une base qu'on a déjà prise sous notre contrôle. Merde, je me suis un peu bloqué exprès. Voilà, parfait. Donc, body, qu'est-ce que t'as fait? Body. Voilà, je me suis dégagé. C'est n'importe quoi. Bon, après, je vais essayer de prendre un hélicoptère un peu plus loin. Là, je regarde un petit peu les paysages, donc il n'y a pas grand-chose à faire ici. Non, on va descendre, on va faire un peu le suicidaire. Waouh, 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 regarde-moi cette magnifique descente. Ouais, bah, je pense que je vais finir par m'envoler quelque part. Regarde la vitesse, t'as vu? C'est un tank qui roule à je sais pas combien de kilomètres heure. C'est du n'importe quoi ce jeu-là. Madame, madame, commencez pas à me dépasser. Madame, pourquoi vous me dépassez? Espèce d'icounasse. Alors maintenant, ouais, ça fait mal, tu m'étonnes. Bah, elle m'a fait mal en fait. Elle a voulu me doubler. Et moi qui avais dit que j'avais une vraie vitesse, elle m'a affiché en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de la descendre. Non, ma mère elle veut pas. Je suis franchement une ordure dans les jeux comme ça. Maintenant on va faire un tour sur la carte. L'objectif principal, il est où? Il est juste là. Ah ouais, d'accord. Vive le détour. Je pense que le mieux, c'est que je me fasse une petite livraison de rebelles. Hop, on va se faire en fait un hélicoptère. Donc, celui-là. C'est un véhicule de transport. Donc après, pour débloquer cela, il faut encore des bases. Hein. D'accord? Ah, j'ai plus de balises de rebelles parce que je me suis fait livrer mon tank. Bon, c'est pas grave. C'est pas si loin que ça. Donc après, je vous déconseille de tirer sur des voitures, ça sert pas trop à grand chose. Donc après, on peut passer là-haut, mais ça va nous prendre un peu de temps, parce que c'est vraiment pas à côté. Faut que je trouve un hélicoptère. Ouais, je vais finir par le trouver, vous allez voir. Il y a des bases militaires un petit peu dissimulées partout. Donc je pense qu'à force de chercher, on va en trouver au moins un. Hop, tu vois, là-bas, il y a une base militaire, on y va. Obligé qu'ils ont mis un truc là-bas. Hop, la barrière, je la fraude. Je suis méchant comme gars quand même. Hein. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que j'ai repéré en fait une piste d'atterrissage. Donc ça me permettra tout simplement de pouvoir dérober l'avion en question qui est juste pas loin du défi. Franchement, c'est pas intéressant quand même comme jeu. Tu prends un tank comme ça, tu t'éclates. Dommage. Eh, voilà, c'est bon, tu me bloques plus. On va se prendre un petit canadair. Je sors. Donc mon fameux tank qui fume un peu quand même. Hein. Je l'ai un peu beaucoup utilisé ces derniers temps. Alors vous voulez que je prenne lequel? Le blanc ou le vert? Je connais déjà la réponse, ça va être le vert. Allez, c'est parti. Waouh, 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 waouh. Allez, on va s'orienter un peu plus vers le haut. Comme ça, on perd pas de temps dans l'émission, si vous voyez. Des choses secondaires, on les fera un peu plus tard. Mais là, on va se lancer un peu plus sur le principal quand même.
J'espère que l'histoire ne... On a assez tourné comme ça, je trouve. Donc déjà, on va commencer à se poser ici. Merde, la merde! Ah bah voilà, je suis tombé sur la tête, mais je suis pas mort. Dans le jeu. On pouvait pas... Oh bah... Je lui donne un avion, un body, voilà, qu'est-ce qui t'arrive. Il casse tout, ce mec. Il casse tout. Il casse tout. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Hop! J'adore ces bestioles. Dommage que tu peux pas viser. Peut-être que j'arrête de faire ça. Ouais, t'es trop pervers. Mario, je suis là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mario! Où tu te planques? Oh non... On m'a transformé en vache. Seul le baiser d'un prince pourra libérer Mario, oui. J'ai bien de la chance, je ne suis pas un prince. Allez, fais un Meko. Non. Meko. Non. Meurico. Où tu es? Dis-moi où t'es que je puisse te tuer. Un tout petit bisou et tu sauras tout. Oh, toi, tu vas me le payer. Mmh. Ah, le beau bisou. Hé, hey, les gars, Rico l'a embrassé. Toi, c'est fini, t'es plus mon pote. Allez, quoi, on est en bas, près de la vigne, salle de la réserve spéciale de Dime Vélo, son grand cru. Je ferai tout pour Meurio. Ouais, c'est bien foutu de moi, vive le pote, hein. Attends. Je suis désolé, Rico. Mais c'était quand même bien marrant. T'as emballé une vache. Je compte toujours te tuer, Meurio. Ouais, c'est quand même un sacré pote, lui, hein. Moi, tu penses que je vais finir par y arriver en parachute là-bas ou jamais? J'ai l'impression que le parachute est stationnaire, il bouge pas. Oh, laisse tomber. Je vais passer sur le côté là-bas. Ouais, ça c'est beaucoup plus rapide hein, comme moyen de locomotion. Moi, je pense qu'on peut encore s'en sortir si je manœuvre bien la... mon altitude là. Mais bah dis donc, franchement, il me fait embrasser une vache. Pff, ils ont pas honte. Hein. Ah bah tiens, j'y étais là il y a pas longtemps en plus. Il y a plus mon tank. Mon petit chat n'existe plus. Ça va, on est bien là. Donc je pensais qu'on allait pas réussir, mais finalement ça va. Allez, je vais atterrir sur l'objectif ou pas, tu crois? Ou je vais lui faire un bisou? Rico, là, un camion chargé à bloc avec le grand cru personnel du général. Voilà, on a allumé en fait un truc. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse, cet abruti? Alors pour aller plus vite, je te conseille toujours de faire ça. Du vin? Pas n'importe quel vin. Imagine, c'est un peu le Mario Prego des spiritueux. En plus, il est déchiré. Hein. Oh non, j'ai encore tapé dans l'arbre. Ah, j'étais mort de rire. Hey, mais franchement, c'est une petite secousse. Hein. Je me disais que un, qui serait gentil que de m'en laisser un, mais finalement, même pas. Bon, faut que je conduise vraiment en douceur. Et ça, c'est vraiment... En plus, ils m'ont vraiment mis un terrain bien cabossé. On va ralentir un petit peu la cadence. C'est génial, vraiment top. Il s'y connaît en grand cru, le général. Il trouve ça dans des tonneaux en bois, pas des barils en ferraille. Quel genre de picole on peut bien mettre en baril? La pire,
Je te parle d'expérience. Et comme par hasard, il y a une bataille. Oh merde, la merde, la merde! Ça secoue trop. Non, 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 non! Bande de chauffards du dimanche. Je suis pas sûr qu'on passe. Oh là là, mais sérieux, je vais encore décéder, moi. Faut pas aller trop vite, hein. Ça fait combien en litres ? Ça fait beaucoup. Ah, ils sont pas sérieux, là. Ils font tout pour me gêner, en fait, hein. Il manque plus qu'il y a des rebelles, en fait, qui viennent nous embêter. Oh là là, elle m'a failli me renverser la voiture. Oh 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 oh. Oh les bourrins. D'accord, des voitures qui sont comme ça. On est presque arrivé en plus. Ah, il va me renverser un tonneau. Voilà, c'est bien. Magnifique, on a réussi la mission des vaches et du vin. Merci. La prochaine, est-ce trouve où la prochaine mission, s'il te plaît? La carte. Je suis sur le côté. On y va. Hé, hey Rico. Les hommes de Diravelo remontent la piste de ta pote Tima depuis ta petite balade à dos de missile. Je crois qu'on a les emmerdes au cul, mon pote. Viens me retrouver près de ce phare. Il y avait une belle voiture ici, en fait, hein, qui m'intéresse. On va voir si elle est rapide comme voiture ou pas. Eh mais pourquoi il court comme ça, lui? Non, 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 non. Elle est où, ta sœur? Tu me trouves mignon? Merci, tu viens avec moi. Bah, tu vas venir avec moi. Ah, il a... J'ai cru qu'il allait casser mon câble, mais il me l'a cassé. Ah ouais, d'accord, ils peuvent te casser le câble. C'est trop marrant quand même les interactions qu'on peut avoir en fait avec les joueurs. Donc on va essayer de se rendre rapidement sur l'objectif en question. J'aime bien la barrière, elle s'est ouverte instantanément. Mais bien sûr. Allez, on va faire un tour dans la connexion. Donc elle a un peu plus de vitesse, cette caisse. C'est ça qui est plutôt cool. Ah ouais, elle bombarde même. Hein. Enfin, une voiture qui bombarde. 200 ou pas? Moi, je dis qu'elle va franchir les 200 dans pas longtemps. Ouais, encore 230 ou pas? Ouais, je me tape un petit sprint, histoire de voir. Ça va, elle freine bien aussi. Ah oui, c'est plus rapide par là. Et encore plus rapide par là. Ah oui, il faut gagner du temps dans la vie. Hein. Hey, on est tellement pressé de nos jours, en fait, qu'on a le temps de rien faire. Et hop là, j'y vais rapidement et c'est bon. Oh là là, j'ai failli me voltiger. En fait, il voulait que j'aille voir son pote, mais finalement, j'ai préféré faire la mission. C'est pas moi. Rico, il fait vraiment des conneries. Hein. Comment tu nages plus vite? D'accord, merci pour le truc. Non mais, je suis en train de faire l'escalade ou quoi? Comment ça se passe? Ah, il y a un truc juste ici.
Voilà, j'en prends une, comme ça j'ai de la, j'ai une livraison. Je suis juste à côté, donc je vais le faire. Hein. Donc la mission, elle est là. Que Dima a été suivie. Où elle est? Oh, elle se balade pour trouver des infos qu'elle estime importantes pour la cause des rebelles. Oh, il fallait que je te dise qu'il y a des véhicules qui crament vers Corvavracon. Quoi? Alors, il y a des frégates militaires. Eh, hey, mec, super vol. Merci, monsieur. Eh oh, Sheldon. Ah ouais, tu vois les frégates militaires là-bas? Bah, si elles mettent les gaz, c'est pour la rattraper. Merde, des militaires. Tu pouvais pas le dire avant. Ah, t'en fais pas, Rico. Tout est sous contrôle. Ton pote Mario est avec elle. Mario? Oh, très utile. Et bon voyage, hein? D'accord. Allez, on y va. On va se rendre sur le point. Oh là là, il est balèze cet hélicoptère. Donc maintenant faut convaincre, faut qu'on essaie de tuer tous ces renforts. Mario, t'es là? Réponds-moi, Mario. Sheldon, vous pouvez passer Mario. Voilà, cadence de tir, elle est excellente. Ah, c'est un déluge qui va se prendre. Franchement, là, s'il prend pas tout ce que je lui envoie, c'est qu'il y a un problème. Par contre, je suis pas forcément bien droit, mais... Ah, les missiles, ils sont pas, ils ont pas une grande portée. Merde, dommage. Ah, j'arrive pas à baisser mon navire, en fait. Mon navire, mon hélicoptère. Je peux pas, en fait, te descendre plus bas. Ça y est, il commence enfin à descendre plus bas. Je suis sûr qu'il y a des batteries de missiles derrière lui. Ah, mais c'est pas possible. Ça se détruit. Non, mais regardez la poisse que j'ai, sincèrement. Et ils ont pas. En fait, les roquettes, je pensais qu'elles avaient plus de puissance, mais finalement rien du tout, hein. Merci. Donc en fait, il faut vraiment coller le navire. Hein. Il est vraiment contre moi. Ça, je m'en doutais qu'il était contre moi, mais à ce point-là, il me laisse même pas le temps d'arriver sur lui, quoi. Par contre, je vous assure, c'est un peu sensible. Rico, t'es là? La situation se complique un peu par ici. Je cracherai pas sur des renforts. Fils des coordonnées, je me mets en route. Pas de la côte? Hé, hey, on est où là? Mario Frego, la star des... Et où Mario maintenant? Mario, il est juste à côté là. A mon avis, il doit avoir des hélicoptères. Il va avoir la totale hein, comme comité d'accueil, je suis pas sûr. Bon, je vais voler un peu plus en rasement parce que l'hélicoptère, c'est lui, il est beaucoup moins stable que les autres. Hein. En fait, t'as l'impression d'être tellement haut que tu galères pour descendre. Ouais, bah ouais, mais c'est à prévoir. Hein.
fait, le seul truc qui me sauve, c'est l'arme classique. Moi, c'est eux, en fait, qui me gênaient. Il y a une batterie de missiles qui me tape quelque part, je crois. Attends. Ah, c'est là. J'arrive, t'inquiète pas. Ah, par contre, le temps que je me baisse, c'est un tout petit peu plus délicat. Y a quelque chose encore à détruire ici ou pas? Non, y a pas, hein. Ah si, le dernier truc, il est là. Ah, j'ai cru que j'étais en train de me faire un échec. Zone libérée. Avant-poste, c'est bien. Magnifique, comme ça les renforts vont venir nous aider. Là, il y a des vrais hélicoptères assez intéressants. Ah, maintenant on va passer. Attends, là il y a des mines. Je nettoie ça rapidement. Ah ouais, vive l'itinéraire. Eh, ils se sont vraiment amusés à nous faire un truc là. Il avance ou pas lui? Il passe par où en fait? Ah, il est là. Je vais nettoyer un peu cette zone avant d'y aller. Ah, mais sérieux, on dirait des tout petits dominos quoi. Comme ça, la vedette, en fait, elle risquera rien. Je regarde rapidement. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres planqués? Bah si, justement. Ah ouais, la base, elle se prolonge jusqu'ici. Il y en a encore une autre ici. Bah vas-y, on la casse, hein. Comme ça, on la détruit rapidement et on en a au moins une deuxième sur le contrôle. Il nous manque quoi? Un dernier truc qu'ils ont planqué là-bas et c'est bon. Non, il manque encore quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore bien neutralisé. Ah, il y a le dernier générateur. L'antenne en question. Voilà, parfait. On en a deux. En fait, j'ai l'impression que dans cette zone-là, il y en a bien plus qu'on le croit, quoi. Après, le village là-bas, c'est sûr et certain, à mon avis, qu'il n'est pas pris. Je suis où sur la carte par curiosité? Ah bah voilà, c'est sûr, certain, j'ai jamais rien pris ici. Après, on a une vraie base militaire pas loin. Genre juste sur la carte. Ouais, elle est de l'autre côté là, elle est là. D'accord, en fait, ils nous envoient carrément ici. Donc c'est sûr et certain que ces bases-là, on les a pas. Le seul point qu'on a vraiment bien avancé, c'est ici. Mais après, sincèrement, on va pas se mentir, je vais pas tous les faire. Hein, parce que franchement, c'est une énorme perte de temps. Bon, à moins que vous voulez des véhicules rares. J'ai déjà tourné 4 épisodes et je pense que c'est pas intéressant de tourner plus quoi. Donc là je vais poser mon hélicoptère. Non, j'exagère mais c'est presque ça. C'est bon, tu... on y va. Oh non, mon hélicoptère. Bon, je suis là, hein. Après je fais quoi? Mais attends, elle, faut que j'aille la voir, là. En fait, ils m'ont complètement... Ah, d'accord, faut carrément passer par la trappe, ici. Oh, Rico, te voilà. J'ai apporté une petite modification au véhicule. De la nitro. Ouais, de la nitro, comme le petit char. Donc là, c'est... j'ai de la chance de bien déblayer le truc, hein. Par hasard, ils en ont mis encore des mines. C'est dur à manœuvrer, hein. Ça va, on est presque arrivé, c'est déjà bien quoi. On met le nitro et je pense qu'on va les semer rapidement. Il devrait avoir des infos pour toi sur le sujet.
Magnifique. Quelqu'un a trouvé ton contact avant nous, Dima. Il est mort. C'est embêtant. Dima ? Hein ? Oh oui. Et puis c'est triste, bien sûr. Dépêche-toi. Le prochain contact est peut-être aussi en danger. En fait, à mon avis, il faudra qu'on aille voir plusieurs contacts à elle. Tiens, là-bas, une vraie base. Espérons qu'on va pas tomber sur des choses assez élevées là. Ah, il y a beaucoup de mines. Hein. Ah, ils ont bien miné le terrain cette fois-ci. Hein. Stationner ça là. C'était trop tard aussi pour celui-là, Dima. Et on retourne dans le véhicule. S'ils ont eu celui-là, je suis pas sûr que la suite des événements nous plaise. Je m'en fais pas. Le prochain contact sera bien vivant. Et où ton prochain contact ? Un peu plus loin. Ah, les petits malins, ils ont même une petite base secrète ici. Hein. Ça, c'est pas mal, ça, cette petite base dans la grotte comme ça, là. Merde, par contre. Ah, je préférais sauter, hein. Ça va plus vite comme ça. T'as vu ce professionnel, comment il a sauté? Allez, on se dépêche. On a de la chance pour l'instant qu'on n'a pas mangé une seule mine. Hein. Oh putain, mais je dis ça comme par hasard, on a plus en plus. Ça va être inévitable celle-là, là, en face. Voilà. Comment esquiver une mine d'une façon étrange. Hein. Je veux rester sur le bateau. Non, tu viens avec nous. Tu m'avais pas dit que ça ferait autant de monde, Dima. Oui, changement de programme, Annika. C'est plus dangereux qu'on ne pensait. Ouais, je vois ça. Dima, t'as l'intention je de me présenter à toi. À Dima. Théo. Rico. Moi, c'est Mario, mon frère. Je suis pas ton frère. Je crois que tu as un peu sous-estimé la valeur de tes informations, Dima. Mais pourquoi tu veux énerver Diravelo ? Je veux le double. Non. Un quart de plus ? Non. Toujours aussi dur. Intéressant. C'est de la future gonzesse de Rico ou quoi ça? Hop. Ils vont même pas venir nous faire un coucou que je vais déjà les descendre. C'est des hélicoptères le plus chaud. Mais pourquoi se priver si on peut tout simplement y accéder? Faut être bête de pas s'en servir de cette façon. Merde, merde, merde. Au revoir la vedette. Ne t'inquiète pas. C'est des enfants là qui arrivent là, attends. Et ça va vite. Par contre, il n'y a même pas de dommages de civils. Je vais essayer d'aller là-bas directement parce que sinon on va jamais réussir à les tuer. Donc les deux véhicules, je vais essayer de les stopper en pleine progression. Neutraliser. Et là ils vont descendre donc faut que je me dépêche. Attention, Rico. Il m'a bien secoué là.
Ah, carrément. Carrément, là, il nous en fait limite une frégate, quoi. Ça va être un peu plus délicat à détruire, ça. Mais c'est pas non plus impossible. Ah, ils ont un canon, là, anti-machin. Ben voilà. Encore une victoire pour Frégo et compagnie, hein, Mario? Dima, viens m'aider. Vite, faut qu'on le fasse rentrer. Oh, Annika, je pourrais le stabiliser à plan. Rico, je vais te montrer. Bien. Tu peux me dire que l'hélicoptère fait le dauphin, maintenant? Il m'emmène où comme ça? On y est bientôt? Presque. Rico, mon frère, je me suis bien débrouillé. T'inquiète, tu vas t'en sortir. J'ai toujours voulu que tu sois fier de moi, Rico. Même quand on était gamin, déjà. Merde. Si seulement on pouvait bricoler cette bagnole comme avant. Je donnerais tout pour avoir 17 ans et rien à moi foutre. Moi aussi, Mario. Tu te souviens, Rico? Merde. J'ai plus jamais été heureux depuis la nuit du Grand Brasier. C'est là, Rico. Arrête-toi. Attention! Je m'en occupe! Hémorragie interne, gros traumatisme, c'est sûrement fatal. Dima, bosse un peu ton empathie. On peut leur faire confiance? C'est pas vraiment des rebelles, mais on a le même ennemi. T'en fais pas, Théo a vu bien pire. Eh ben, j'espère. Tiens-moi au courant pour Mario. C'est bien. Et nous, on se tient en courant dans le prochain épisode. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Donc je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin. C'est Dima. Eh ben, sacré accueil, mes aïeux. Des potes, du gros chaos, de la destruction. T'as dit que Dima était suivie. Où elle est? Oh, oh, elle se balade pour trouver des infos qu'elle estime importantes pour la cause des rebelles. Mm-hmm. Il fallait...